Salut à tous, c'est Maconnor Minou, on se retrouve par cette très belle journée pour le nouvel épisode sur Pokémon Éclat Pourpre. Bon, la dernière fois, on avait un petit peu avancé quand même, mais vu que j'avais été bien naze, j'avais un peu niqué mes Pokémon. Donc là, si je me souviens bien, on n'a pas grand yak, où c'est que c'est ma touche, la touche est là, voilà. Donc on a, Mercury qui est toujours en forme, elle a la patate. Pour ce qui est de Pissenlit et Néo par contre, ils sont HS. Brasero a bien servi, donc on va le laisser un peu tranquille. Et on va essayer d'avancer. Donc on était ici, il y avait un petit poids sirène là dans l'eau, c'était rigolo. Un ratata. Et les pops commencent. Arcado, ok. Ah, ça fait partie des Pokémon que je n'ai jamais mis dans mon équipe. Je ne sais pas. Il m'inspire rien du tout en fait. On dirait, vous savez, les trucs pour masser dans le dos là. C'est une espèce de poignée avec des pattes et des boules. Bah, c'est ça. Bon, je sais que je dis à chaque épisode, mais la déco est peut-être un peu chargée, mais ça reste quand même agréable à regarder. Oh, un redoudou! Bien, c'est le capturer quand même, parce que j'aime beaucoup mon doudou. Il hypnotise ses ennemis grâce à ses grands yeux, avant de les plonger dans un profond sommeil en chantant une douce mélopée. Je vais l'appeler Malabar. Vous avez vu cette spontanéité pour trouver le surnom? Je me surprends moi-même, j'avoue. Allez, fume-moi. Et hey, t'as pas de short, tu crains. Ouais. Les shorts. Gamin Calvin, ok. Ferrosinge est envoyé par Gamin Calvin. Ah oui, je fais toujours dodo au moins. Alors, Chuchemur. Je sais que c'est une mauvaise idée, mais j'ai pas envie d'envoyer Furisson tout de suite. Ok, bon, bah voilà. Là, c'est le coup de chat, mais ça peut être utile pour Snubbull. Bon, alors j'espère qu'on va arriver bientôt près d'un endroit de soins. Hirondelle. Bon, j'ai déjà mon Roucoule, hein. Je vais pas faire collection. Je vais fuir d'ailleurs. Allez, laisse-moi passer toi. Antidote. Ah, je suis désolé, j'appuie. Je veux pas utiliser l'accélération hors combat, mais j'appuie sans faire gaffe. Mon pouce, il va tout seul sur ma barre espace, c'est honteux. Un combat est lancé par Scout James. Bon, j'ai pas trop de soucis à me faire avec, avec mon Brasero. Heureusement que je fais pas des heureusement que je ne fais pas des Nuzlocke Challenge, parce que je serais vraiment dans la merde. A chaque fois je laisse crever mes Pokémon. Oh, j'adore les petits tards. Ah, je capture, mais j'adore trop les petits tards. C'est... Et vu que j'ai pas de Pokémon haut, moi je sens bien le petit tartare là. Tu m'attaques pas, toi. J'aimerais bien entrer dans la ville de Percharbre, mais j'ai le vertige. Ok.
Ah, le vertige! Alors ça, c'est Gwen. Alors, qu'est-ce qu'on me dit par ici? J'ai acheté des baies dans ce centre, cela peut s'avérer décisif. C'est pas faux. Tétartre gagne type combat à la suite d'une évolution. Et ouais, et d'ailleurs en parlant de ça, on va aller. Oh, mais je l'ai pas surnommé. Si vous savez, dites-moi dans les commentaires si vous savez où je peux changer les noms de mes Pokémon. Je crois pas que c'était possible dans la première ville. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, le petit Pikachu, pareil, lui, je l'ai pas nommé. Oh. Ouais, j'ai tellement pas l'habitude d'en nommer Pokémon qu'en fait... Le réflexe. Alors, éclair, cage éclair, ça peut être utile. Bon, Mediana, je l'ai capturé par erreur. Il m'intéresse pas du tout. En doudou, je le vois pas trop dans mon équipe pour l'instant. Nature joviale. Séduit quand touché. Et le petit tétard. Petit tard. Voilà, si je veux pas regarder ce que je veux, c'est nul. Change l'eau en PV. Ah ouais. Écume, hypnose. J'aime bien. Bon, déjà, on va se débarrasser de Sneboulet. Le petit Sneboulet. C'est comme ça que j'aurais dû l'appeler si j'avais donné un surnom au Pokémon. On va prendre Petit Art. Et puis. Lui, une fois bien évolué, il tabasse quand même. Il tabasse bien. Ah, je sais pas. J'hésite, mais bon, Granivol pour l'instant, je le sens pas trop. Alors, on va prendre Pikachu. Voilà, alors après, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit check des attaques pour les mettre dans le bon ordre, tout simplement. On résume. Lui, c'est bon. Voilà, après, on va mettre Pikachu en premier. Et puis voilà. Donc on arrivait ici. Donc c'est une ville dans les arbres, un peu comme Citronelle. Allez, je peux passer. Un petit chapeau, j'ai choisi d'habiter cette ville. Sont à proximité, ok. Qu'est-ce qu'on peut acheter? J'ai pas beaucoup d'argent, il me faut absolument des Pokéballs parce que j'ai vu. Alors j'ai lu sur internet que le taux de Pokémon chromatique de Shiny était très important, était beaucoup plus important que dans les jeux standards. Donc du coup, il faut que j'en garde toujours sur moi au cas où. Ça, niveau potion, je sais même pas où j'en suis. J'en ai 5. Bon, allez. Ah, je suis toujours curieux de ce qu'ils ont à côté, j'ai les attaques là. Qu'est-ce qu'ils ont? Bon, pour l'instant ça m'intéresse pas, donc c'est cool. Allez-y. Alors, est-ce qu'on va finir par une arène? J'ai même pas regardé la tête des badges. La carte dresseur. Ok, les badges sont comme ça. Bon. Ici on a... Comment trouves-tu cette ville? Cela me rappelle une ville de Hoenn. Bon, voilà. J'en ai parlé tout à l'heure. C'était une de mes villes préférées d'ailleurs, dans Hoenn. Les Pokémon sont plus faciles à capturer s'ils ont un problème de statut.
Si c'est juste pour me dire ça, c'est inutile. Bon, bon, bon. Tu sais, dans les centres Pokémon, ils vendent des baies. C'est tout, c'est tout ce qu'il y a à faire ici? Non, c'est pas possible. Ah, si seulement je pouvais me suicider. Ouais, ce serait marrant. Alors, donc là, ici, on n'a pas été, je crois. Qu'est-ce que tu veux? Les pierres évolutives sont assez rares. Une petite pierre lune, là, pour ma Nidoqueen. Il va falloir, je pense, si je trouve un mélo, à m'acharner un peu dessus. Il n'y a rien... Ok, donc pas d'arène. Dommage. Salut, je m'appelle Robert. J'essaie de devenir le meilleur dresseur possible. C'est pour ça que je défie tous ceux qui ont le badge de Père Charme. Les dresseurs femmes ne m'intéressent pas. Je n'ai pas ce badge et puis j'ai autre chose à faire que de m'amuser à sillonner la région pour récolter des bouts de ferraille. Sache que ce ne sont pas que des babioles. Ils sont le symbole de ton aptitude en combat. Récolter des badges te permettra d'acquérir de l'expérience et de devenir plus fort. Pourquoi pas, de toute façon, tu me laisseras pas passer et j'ai pas envie d'en être réduit à la violence et de forcer le passage. J'aime pas beaucoup la mentalité de Maurice, hein. Je préférais un mec sans... Dans les jeux Pokémon, voilà, un mec qui ne parle pas. Comme ça, ça colle à notre personnalité à nous, quoi. Alors, l'arène, elle est où cette arène? Là, c'est par là que j'arrive. Ouh. Ah bah, elle est là en fait. Ok. La fleur de Père Charles. Donc là, je pense que ça va être une mission pour Feuillisson. Bienvenue dans l'arène de Père Charles. Si tu as un conseil, tu devrais prendre garde aux Pokémon de la championne. Ils peuvent souvent contrer les Pokémon de type auxquels ils sont faibles et tiennent souvent des baies. Ok. Tu veux connaître le principe de cette arène? Pas de problème, si tu me bats, je te le dis. Ok. Je vais t'exploser. Un pifeuille. Alors je crois que j'ai ce Pikachu. Ouais. Juste voir ce que ça... Ça fera rien, mais... Je voulais juste faire une petite attaque, Pikachu. Voilà, c'était juste pour dire ça. Allez, salut. Il va devenir trop balèze, Brazero. Il se cogne tout le monde depuis tout à l'heure. Alors, en fait, le principe est simple, il y a des orties dissimulées dans l'arène. Si tu parviens à extraire leur essence fétide, tu pourras faire fuir les jolies fleurs. Excellent. C'est excellent, j'adore le principe. Vas-y, dégage. Et Rafflesia, ils font quoi? Ok. C'est un bon emplacement, je vais planter ma tente ici. Il va planter sa tente dans une maison. D'accord. Ah, puis j'ai oublié d'enlever Pikachu, putain. Pique-nique Marcel. À son âge, s'appeler comme ça, c'est dur quand même.
trouve ça rigolo les petits jeux comme ça avec des sprites de Pokémon. Je pense un peu au à la chasse au canard artichaut. D'or, or et argent, c'est cool. Alors j'ai bu un petit coup, excusez-moi. Petit lapsus en plus. Je suis le dernier obstacle avant la championne, je ne me laisserai pas faire. Et j'ai encore laissé Pikachu. Mon gros problème, si vous voulez, c'est que je débranche malheureusement mon cerveau avant de lancer mes let's play. C'est peut-être un truc que je devrais remettre en cause. Alors, Pokémon Brasero. Allez, réveille-toi. Bon, pour l'instant, j'ai bien fait de prendre Hérisson parce que la première arène, elle est assez easy quand même. Hein. Alors, on va enlever Pikachu. Je ne vais pas utiliser de potion parce que ce serait du gâchis. Je pense que je peux me farcir la championne. Enfin, en tout bien, tout honneur, bien évidemment. Surtout qu'elle a l'air un peu jeune. Voilà, j'aurais dû mettre une potion. Un l'abus. Ah ouais, d'accord. À niveau combien? 15. En vrai, sa giga sensu, elle est juste énorme. Est-ce que j'ai un rappel? À ce niveau du jeu, j'ai peut-être pas de rappel. D'accord, ok. Ouais, bon là, hein, j'ai envie de dire, les jeux sont faits. Alors je m'attendais tout sauf à un Pokémon comme ça en fait. Oh, oh putain, le Giga Sensu, il est balèze. Bon bah voilà, allez. Ça c'est fait. Bon, niveau Pokémon, je suis pas très balèze en plus, donc dans le PC, qu'est-ce que je peux changer? Le feu, il... voilà, l'autre il est petit proche, donc le feu ça va pas forcément lui faire quelque chose. Écume est pas assez balèze. Dans le PC, j'ai déposé qui déjà? Snubbubu, il sert à rien. Et qui c'est que j'ai déposé d'autres? Granivol. Il a juste charge, donc ça vaut pas le coup. Je suis bien baisé là. Je vais essayer un petit coup. Par contre, je vais mettre en Pokémon. Je vais mettre. Alors, je vais mettre qui? Cita. Est-ce que lui, il a statique? Statique. Bon, on va le mettre en premier en espérant que son décès... que son décès... paralyse... le Lilia. Bon, j'ai réussi à le paralyser. Bah, il est trop faible, mais... Voilà. En plus, ça lui fait rien. J'ai envie de dire... Allez, Brasero. C'est bien, c'est que c'est utile, la paralysie, hein. Merci.
utiliser une petite potion. Même si ce sera pas assez. Tu veux pas juste louper. T'es paralysé, grosse. Te pleut. Oh, elle aussi, elle s'est soignée, c'est nul. Oh putain, l'abus! Mais en fait, ce dresseur est vachement balèze. Alors, est-ce que vous avez déjà joué avec la pourpre? Est-ce que vous trouvez que les dresseurs étaient balèzes? Est-ce que c'est vraiment moi qui étais à la zob? C'est possible. Bon, bah voilà, hein, je vais encore reperdre. C'est un peu la honte, j'avoue, ouais. J'avoue. Je suis parfaitement conscient. Bon, écoutez les amis, on va limiter la case. Ce que je vais faire, c'est qu'on va se laisser ici. Entre maintenant et plus tard, c'est-à-dire le prochain épisode, je vais EP très légèrement, mais quand même, mes Pokémon. Et voilà, parce que sinon, j'aurai aucune chance. Là, j'y vais un petit peu... j'y vais vraiment à l'arrache et c'est pas possible. Donc, on se laisse là. Je vous dis à la prochaine. Musclez-vous bien, abonnez-vous, mettez le petit pouce. Et à la prochaine. Bye bye!